Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymonde avec Raymonde ce matin. Je ne suis pas vraiment en colère, mais bon, moi j'ai double travail. Je reçois aujourd'hui des personnes qui ont une construction qui va à l'encontre de ce qu'elles sont vraiment. Alors, est-ce qu'on veut créer des personnages qui rentrent dans la norme? Est-ce que votre personnalité de surdoué, de HP, n'ayant pas été acceptée, vous avez recréé un personnage à côté? Quel est le bon personnage? Quelles sont vraiment vos qualités, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je viens d'avoir une personne au téléphone, c'est franchement un vrai désastre. Raymond, je fais rien, je m'ennuie, voilà. Mais finalement, bien sûr que vous allez vous autodétruire. Maintenant, vous allez vous autodétruire. Pourquoi est-ce qu'une personne va s'autodétruire? Pourquoi est-ce qu'une personne va rester bloquée? J'ai fait une vidéo sur sécuriser pour pouvoir s'envoler. Mais en réalité, celle-ci aurait dû précéder l'autre. Celle où je parle de s'envoler. Parce qu'en fait, pourquoi les personnes ne bougent pas, n'arrivent pas à se réaliser? Parce qu'elles ont créé un personnage de toutes pièces qu'elles ne sont pas, mais que le monde leur demande d'être. Mais on est en pleine schizophrénie, on est en pleine bipolarité, on est en plein désastre psychologique, conflit interne, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour quelle raison le surdoué va se recréer un autre personnage qui n'est absolument pas vivable pour lui? Juste pour pouvoir rejeter cette partie de vous qui a été créée de toutes pièces, que le monde a demandé d'être, c'est-à-dire de rentrer dans les normes, rentrer dans les cases précisément. Si je parle que surdoué, c'est une identité. Alors, qu'est-ce que c'est l'identité du surdoué? Ben, on trouve... Alors, moi, je demande à cette personne, quel est le personnage de vous qui n'a pas été accepté et pour quelle raison? On m'a rejeté. Ma meilleure amie m'a rejeté. Machin m'a rejeté. On ne m'a pas accepté. Vous étiez comment? Et là, elle vous donne le descriptif complet. Alors, descriptif complet de la surdouée. La surdouée vue par le monde extérieur, elle est arrogante, elle est en colère, elle est trop intelligente, trop émotionnelle, trop. Si dans votre famille, dans votre environnement, on ne veut pas de cette personne, alors vous allez recréer le numéro 2 de votre personnalité. Celle qui va rentrer dans les clous, dans les cases, et qui est la gentille, la drôle, la curieuse, la posée. Non mais attendez, on est où là? Alors après, vous avez deux personnages. Un qui a été créé de toutes pièces, le numéro 2. Celle qui a été inventée, qui est gentille, qui n'est pas en colère, voilà, qui est rayonnante, qui est curieuse, drôle, etc., qui n'existe pas. Et celle qui existe vraiment, la numéro 1, qui elle est surdouée. Surdouée dans un système qui la refuse, donc elle est d'apparence arrogante, en colère, intelligente, et trop émotionnelle, et trop tout le bastringue. Alors maintenant, avec qui vous allez vivre? Avec celle qui n'existe pas, la gentille? Celle qui n'existe pas? Mais alors, vous faites comment là? Ah, vous avez tué la première. D'accord, mais si vous tuez la première, vous vous tuez à vous. Vous êtes consciente de ça, donc vous n'existez plus. Donc vous allez vous taper sur la tête. Mais quand vous tapez sur la tête de celle qui n'existe pas, celle qui existe, la surdouée, mais vous tapez sur la tête des deux, quoi. Vous tapez sur votre tête à vous. On est en pleine folie. On est en pleine folie humaine. Donc c'est ça le surdoué. Pour échapper à sa condition, il va rejeter son côté surdouance pour créer un personnage gentil, curieux, posé, et il va tuer celle qui existe vraiment. Donc, à la finale, vous vivez avec quelqu'un qui est une morte vivante. Je parle dans les schémas, évidemment. Donc, vous allez vivre avec ce schéma qui n'existe pas, mais que tout le monde accepte. Mais c'est morbide, hein. C'est évidemment la névrose de castration qui s'appelle couper de son désir. Donc, vous n'êtes plus vous, vous n'êtes plus en désir, vous pouvez plus, vous n'avez plus de motivation, vous n'avez plus rien. Et en réalité, pourquoi la personne fait ça? Elle s'auto-flagelle, elle se démolit, elle se dévalorise. Vous connaissez ceux qui sont dans ce principe-là? Je n'ai pas été aimée pour ce que je suis, donc je crée un personnage de toute pièce que je fais exister et moi je meurs derrière. Je me meurs. Je ne crie même pas au secours parce que je me meurs. Heureusement, de temps en temps, il y en a qui nous appellent. Donc on va remettre ce schéma parce que si on s'accepte tel qu'on est, on va trouver une certaine stabilité. Mais évidemment, on va devoir accepter qu'on ne va pas être aimé dans un premier temps. Et après, on va s'imposer. Genre, je suis comme ça, vous m'acceptez, mais on ne va pas leur dire. Mais vous imposez. Dans ce que les autres croient arrogant, c'est bien tant pis. Et vous allez à l'exagération de votre personnage. Et puis après, bon, bah, ceux qui ne veulent pas de vous, ils ne veulent pas de vous. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire, hein? On ne va pas passer notre vie à se tuer. D'autant plus que si vous tuez l'un, vous tuez l'autre. Hein, parce qu'on n'est qu'un à la fin, on n'est pas deux. Donc, la seule qui peut exister, c'est celle qui existe vraiment. C'est l'arrogante, la colérique, l'intelligente, la trop d'émotions. Et en fait, on doit vraiment déterminer ce qui nous sommes et ce que les autres veulent que nous soyons. Et c'est là où on est complètement en désaccord. Et bien sûr qu'après, vous allez avoir un psychiatre, il va vous dire « Mais vous êtes bipolaire, mademoiselle.
Bien sûr, parce qu'on est en grand conflit. Une fois, je suis surdouée, ah, super contente, paf, on me fout un coup, paf, je redeviens l'autre, je tape dessus et je reviens. Et non, mais c'est quoi? C'est un cirque. Voilà, donc pour retrouver un équilibre, il faut ça vraiment. Mais c'est toujours pareil, c'est être la deux, c'est accepter. Et alors que vous tuez la un qui est la vraie personnalité du surdoué. Mais beaucoup de personnes, mais la un, c'est du pipeau. C'est du, on te demande d'être ce que, soit ce que tu veux que je sois. Et après, moi, j'ai mis une phrase en place qui est, non pas je pardonne à mes parents de ne pas m'avoir accepté, mais non, pas du tout. C'est pardon papa, pardon maman de ne pas être ce que vous, ce qui, vous, parce qu'on dit qui, on ne dit pas que, on analyse. Pardon papa, pardon maman de ne pas être ce qui, que vous voulez que je sois. Pardon papa, pardon maman de ne pas être ce que vous voulez que je sois. Je ne suis pas cette personne normale, posée, gentille, curieuse, drôle. Je suis arrogante, c'est aux yeux du monde, ceux qui me regardent et qui connaissent pas le surdoué vont me trouver effectivement arrogante, colérique, intelligente et trop émotionnelle. Mais à un moment, il faut arrêter de se tuer là. Donc, retrouvons un équilibre, acceptons et puis je vous en prie, allez voir des gens qui savent quoi. Appelez-nous, j'ai monté une équipe, je relance mon école là. Le Covid se tasse un peu, donc on va faire différemment. Si vous voulez devenir psychanalyste pour les surdoués, mon école est un vent d'école de psychanalyse pure et dure, avec des notions, toute la base de la psychanalyse et la base de la psychanalyse pour les surdoués, l'accompagnement, etc. Et arrêtez d'acheter des choses où on vous vend. Alors, il y a déjà la famille qui vous rejette parce que vous n'êtes pas normal. Excusez-moi, c'est quand même maman qui vous a pondu et papa qui vous a fait. Donc, il faut quand même accepter l'enfant que vous êtes, ce qui est très compliqué. Comme j'ai dit, j'ai écrit un livre, mais je ne sais pas si ça va faire écho. Donc, je prendrai une personne normale pour traduire. Et ensuite, pour traduire pour les parents qui veulent aider leurs enfants surdoués, parce que moi, quand je parle, ils ne comprennent pas toujours. Sauf quand vraiment, ils sont à la ramasse totale avec leur enfant et qu'il y a des plantes. Enfin, si je vous raconterai ça dans des histoires plus tard. Et je pense à... Comment elle s'appelle? Tamara qui veut des histoires, mais je t'en raconterai des histoires. Et donc, voilà, ça, c'est la colère du matin parce que vraiment, il y en a marre. Alors, vous allez acheter chez des gens qui parlent bien parce que le surdoué, dès que c'est un beau parleur, on achète la formation. Mais enfin, vous n'avez pas compris que vous êtes surdoué, vous n'avez pas besoin qu'on vous parle dans des beaux discours où on va vous convaincre. Voilà, des gens qui sont très commerciaux, très marketing. Vous allez voir après, vous allez savoir. Non, ça s'appelle juste, comment ça s'appelle le truc là? La méthode Coué. Allez, réveillez-vous, vous êtes debout, allez, on est fort. Non mais ça va quoi, c'est pas ça le surdoué. Le surdoué c'est une dentelle de Calais, vous savez, des dentelles très fines. C'est un tissage très soyeux, très fin. C'est pas du gros lourd le surdoué. C'est pas parce qu'on vous dit allez debout, allez on va y arriver. Non, on va pas y arriver du tout comme ça. On va y arriver nous dans la sensualité, dans je vois qui je suis, je nage sur mes territoires. Oui, la force, la puissance elle est là, mais avant c'est comme une fleur. Il y a les pieds dans la terre, mais ce qu'on voit en premier, c'est les pétales, la beauté, la couleur. Et après, on va dans la terre, on voit que c'est bien enraciné. Voilà, bon, bah, j'espère que le message est bien passé, parce que franchement, faire du pipeau toute l'année. Et puis après, si vous m'appelez, on va refaire les schémas. Bon, double peine pour moi. Première consultation, que j'essaye de maintenir mes prix assez bas, même s'il y en a qui trouvent ça cher, je comprends. Mais double peine pour Raymond. Donc si vous venez avec des schémas trompés, vous paierez deux consultations. Non, je rigole. Bon, mais je rigole qu'à moitié. Donc, ne soyez pas celle que l'on veut que vous soyez pour tuer celle que vous êtes vraiment parce que vous tuez vous-même. Et vous n'avez plus de motivation, vous n'avez plus d'envie, vous n'avez plus de désir. Bon, j'ai été claire, je vais me calmer. Non, mais il y en a marre d'acheter des packs, des trucs, là, des machins, des formations. Arrêtez. Bon, ben, je vous embrasse très fort. Ça, c'est l'hypocrisie sociale. Voilà, je vous embrasse très fort, c'était un bon moment avec vous. Non, j'étais juste super en colère. Bisous, à très vite.